À Fotobo, dans le département des Béomi, à un nouveau château d'eau. D'une capacité de 50 mètres cubes, l'ouvrage a été entamé par la mutuelle de développement d'Afotobo et achevé avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce château vient mettre ainsi fin à la souffrance des habitants de ce village qui avaient du mal à avoir accès à l'eau potable. Avant, on souffrait beaucoup. On partait puiser l'eau très loin. Mais aujourd'hui, je suis très contente. L'inauguration de ce nouveau château d'eau a été le cadre d'une communion fraternelle entre filles et fils de cette localité. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a salué l'action de la mutuelle, puis exhorté les populations à une bonne utilisation de cette infrastructure. J'éprouve énormément de fierté. Fierté par rapport à l'initiative de nos parents, d'Afotobo. En toute chose, il faut que le développement soit initié par le cadre et ensuite l'État peut prendre le relais. Le château d'Afotobo peut alimenter en eau potable plus de 10 villages. Avec son inauguration, ce sont plus de 10 000 âmes qui ont accès à l'eau potable, source de vie.